Yo les trashers, on est de retour dans Pokémon Uranium, bienvenue, vous m'avez manqué, ça fait 3 mois avec Soleil et Lune et puis le fait que, vous le savez peut-être, j'étais revenu en France, je devais m'installer, là regardez la qualité de la caméra par rapport aux autres épisodes. Je ne vais pas faire de défi aujourd'hui parce que j'avoue qu'il faut que je me remette dans le bain. Ça fait 3 mois que j'ai pas joué à ce jeu. On est toujours sur Pokémon Uranium avec donc notre équipe énorme. Avec évidemment John Michon hein, de type feu-sol. Oui. Il a des super moves en plus. Parfait. Nous avons... qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça qui est magnifique? Il a Giga Drain, Thunderbolt. Oui, il est type électrique plante, lui. C'est sympa. Évidemment, Michel Oiseau, hein, le grand classique. Avec Hyper Voice et Air Slash. Plutôt sympa. Et nous avons Falouz, le singe dépressif. Falouz, est-ce que tu as des choses à dire sur le retour de ce Let's Play, s'il te plaît? Le Let's Play reprend. On va être mis KO toutes les 3 minutes. Notre dresseur est nul. Je veux mourir. Bon allez, on est parti. Bonjour. Donc il faut que j'aille... D'accord. Très bien. D'accord. Pokémon Uranium, je rappelle, c'est le jeu. Tu parles à une statue et la statue est là. C'est quoi ça? C'est type... Roche-Vol, je devine. Voilà, je rate mon attaque. Ça va, la moitié de ma vie ou... Ah, il est niveau 40, le truc. Oh mon dieu, les dégâts sont nuls. Il est type roche. Ok, John Michon, vas-y. Il essaie de faire tourment. Ok. Il se soigne avec... Oh putain, il me le faut. Vas-y, oui, c'est ça, il est type... Oh, il a les pièges de rock. Allez, je suis obligé, en tant que stratège, je suis obligé de capturer ce Pokémon. Nous allons le capturer avec une Super Ball, je suis sûr que ça va pas suffire. Ah bah oui, c'était sûr en même temps. Tourmente. Ah mais il se soigne de combien de milliards de PV? C'est bon, on peut faire Rock Slide. On peut faire éboulement cette fois. Voilà, parfait. Il essaye de placer les pièges de rock tous les jours. Alors il a un truc, ça s'appelle Rebuild. Putain, ça a l'air trop stylé ce truc. Il est trop beau ce Pokémon. Ouais, bah par contre tu... Ah là là. Bon, John Michon. C'est pas grave. Bien sûr que j'utilise un autre Pokémon. Donc il est type roche et... Pour l'instant, il est type roche et roche. Pourquoi j'ai pris autant de dégâts des pièges de rock? C'est quoi ces pièges de rock? De ouf. Voilà, là il est... Ah mais merde! Hein? Pourquoi c'est super efficace sur moi? Attends, Falouz, il est... Ah mais non, il est type feu, je suis con, je croyais qu'il est type combat. Notre dresseur est nul. Il peut plus me toucher, hein. Il peut plus me toucher, il a plus d'attaque. On sait, il a tourmente, piège de rock, ancienne power... On va l'appeler. Oh là là, il est type proche. On l'appelle Matt Pokora. Parce que comme Matt Pokora, nous sommes de retour et on va réussir notre comeback. Je sais plus d'où je viens, moi. Par là? Au nord, ici. Ça, c'est le nord. Est-ce que c'est par là? C'est la route 13? Mais non, c'est de là d'où je viens, là. Oh non, il y a Théo! Alors, mec, j'ai réservé 3 mois de haine pour toi. Oh, Théo, 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 Théo. Ah, attends, attendez. Je suis prêt pour Théo. Je suis prêt pour ce mec. Oh, putain.
Mec, ma réserve de blagues sur les mers est remontée à 100%. Bonjour Théo. Oh, c'est toi Fifou. Je suppose que Bambo t'a envoyé. J'essaye de... Ah oui, je m'entraîne pour la reine que je viens de battre, oui. Ouais. Ok, il y a quelque temps j'aurais été énervé de ça. Et j'aurais commencé à pleurer vu que tu aurais battu la reine avant moi. Mais je suppose que d'autres choses mettent les choses en perspective. Merci pour ta traduction, évidemment traduction anglaise de Fildrong. Est-ce que tu veux battle? Oui. Je vais te défoncer, on va voir. Alors, peut-être que Théo, on m'a dit que Théo grandissait. Alors déjà, t'as toujours le mec look de Fion. Ça veut dire que... je vais vous mettre une petite comparaison. Vous prenez un trou des fesses et Théo. Quelle est la différence? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Allez, Spandiflo. Alors, tu vas encore rager parce que je te one-shot, c'est ça l'idée? Oh le pauvre, pauvre Théo. Non, en fait non, je m'en fous. Mias Medic, c'est qui? On va mettre John Michon dans le doute. On va mettre John Michon, je le sens bien. Je sais plus qui c'est ces Pokémon. Hein. C'est quoi ça? Type spectre, un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ah oui, le lance-flamme, évidemment. Qu'est-ce qu'il a fait là comme attaque? Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Ok, là il va envoyer son chaton au niveau de type eau. Sablo, oui, c'est ça. Alors, on va mettre. Falouze. Allez, on va faire passer toute la team. On va faire passer toute la team. Juste pour le ruiner, comme ça, regarde. En mode, regarde Théo. Toute ma team est meilleure que la tienne. Ah non, c'est Sablo ça. C'est pas grave, t'es mort. Allez, next. Ah, je me sens bien là. Héros Lune. Ah oui, celui des types roches. Ah merde, du coup je peux pas mettre Michel Oiseau. Ah non, on a pas mis qu'est-ce que c'est. Ah bah non, mais Michel. Ah non, c'est ça, on a pas mis Michel Oiseau, mais on le mettra pour le dernier. Parce que, voilà. Si on ne one-shot pas tous les Pokémon de Théo, ça ne compte pas. Metalinx. Ah, mais oui! C'est ça qu'il a. Est-ce qu'on le fait quand même avec Michel Oiseau? Je pense que on va quand même le faire avec Michel Oiseau. Même si effectivement je pourrais faire lance-flamme pour le one shot. Mais est-ce que ce serait drôle? Oui, ce serait drôle. Mais en même temps, c'est toujours plus cool de. Voilà. De lui faire peur jusqu'à la mort. C'est beaucoup plus drôle, Michel Oiseau. Voilà. Ça c'est mon Michel. Ça c'est mon Michel. Michel Oiseau, il est dans la place. Tout le monde est dans le vert là. J'ai envie d'abandonner personne. Je suis. Tu es tout. Tu as. T'es toujours meilleur que moi. Oui. Il s'en fout. Professeur Bambo m'a demandé de te rappeler d'aller au nord. À travers les caves. Théo? Attends, Théo! Théo! Ready for a rematch? C'est pas genre le meilleur truc pour entraîner ses Pokémon vite fait? Attendez, on va voir s'il s'en bat encore les couilles. Je ne peux jamais avec toi. Gagner me rend fort, mais perdre me rend fort. Une fois que je serai assez fort, je vais venir te trouver, papa. Oh, il est pas drôle, là. C'est quoi ce Théo, là?
C'est quoi ce Théo qui grandit? C'est nul. Oh mon dieu, les pompiers. Ils viennent me trouver. Sacré Théo. Oh là là. Est-ce que je viens de lire le titre de ce truc? Un labyrinthe. Oh mon dieu, non, pas un labyrinthe. Pas maintenant. On était bien. Oui, bon, ça c'est de la merde. Oh là là. Ah oui, il est type dragon sol. Bah oui, mais... Je t'ai fait défoncer pareil, mais... Always go right, il a dit. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, non, pas le Pokémon, mais... Oh mon dieu! Vas-y, je le capture, lui. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es trop puissant. Qu'est-ce que c'était que ça? Linkit? C'était une Pokéball? Ok, always go right. Toujours à droite. Droite. Alors droite ça veut dire en bas. Droite ça veut dire en bas. Linkit. Alors attendez. Est-ce que j'ai des max repel? Je crois que j'en avais acheté plein, ouais. Ah oh, ouais. J'en ai un seul. Il m'en reste plus beaucoup. Ok, always go right. Donc là, je suis allé à droite. Par rapport où là où je venais, j'étais à droite, on est bien d'accord. Enfin, je crois. C'est quoi? Ça a l'air d'être un truc de type vol, ça, non? Non. Il doit être combat quelque chose. Primeape. Allez, Michel Oiseau. Ah, la grotte là me fait un peu peur hein, quand même. Hein. J'avoue. Le problème dans les grottes, c'est que c'est un peu relou. Hein. On va voir. Hérolune. C'est quoi déjà mon Hidden Power? Ah non, c'est Hidden Power. Tabarnak! Je peux plus dire ça parce que je suis au Canada maintenant. C'est quoi déjà mon... Tu veux voir qui est le plus puissant entre nous deux? Au niveau récupération de vie? Ouais, bah c'est moi. Norage! Eh, ils sont niveau 40 quand même, hein, les dresseurs. Hein. Toujours à droite. Donc là on va pas à droite mais bon admettons. Alors j'ai trouvé une zone. J'ai monté un escalier donc c'est bon. Toujours à droite donc. Ah bah voilà j'ai trouvé la sortie là non. C'est la sortie là non. Easy le labyrinthe. Trop facile ce labyrinthe les mecs. Magnifique. Allez. Je sais pas où on va. Bonjour monsieur. Comment ça va? Moi ça va. Je viens casser ta tronche. Oh non, Bray Noir. Hyper Voice. Ce truc est très beau. Oh my god, il est très bulky sur le physique, sur le spécial ce truc. Je sais pas si Falouz peut tanker un psycho. J'ai des gros doutes. Falouz, tu dois le faire, s'il te plaît. Hey Falouz, en vrai, ma team est parfaite. Par contre, il faut que je me soigne. Flame Charge. Non. Pas intéressant. Blaze Kick. Ah oui, alors ça, je dis pas non. Hein. Ah, mais attends, mais c'est...
Ah mais non, si, ça fait plus mal. Mais c'est moins précis. Ouais, allez. Trop stylé, Blaze Kick. Bluberog. Ah merde, lui, il est... il va tanker une attaque, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Je me rappelle plus les noms. Falouz, non. C'est pas grave, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, mais... Oh mon dieu, mais c'est que j'ai pris cher, là. Faudrait que je trouve un... Faudrait que je trouve quand même un endroit pour me soigner, parce que bon... Comment ça faire? Mais attends, mais t'as... Ça va dans ta vie ou... Bien... Maintenant, j'arrive au stade là où tous les dresseurs sont des putains de champions d'arène, en fait. Je pense. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça qui a trop d'avance sur ses potes? Trop puissant. Nous cherchons la route. Nous cherchons la... Je cherche une ville. J'essaye d'esquiver les zones. Oh, il y a un truc là. Plénitude. Ah, je vais pas apprendre plénitude parce que sinon les gens qui se rappellent de Pokémon Insurgence vont pleurer leur vie. Fidrong. Ah putain, là je suis sûr que tu peux soigner tes Pokémon, c'est sûr. Une maison. En plein milieu de nulle part. Ouais, voilà, une grand-mère dedans. Eh bah très bien. Oh là là, un petit cookie pour la route. Écoute grand-mère, merci. Et une petite Pokéball à côté de chez toi avec un full heal. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Nous allons utiliser Falouz. J'ai envie de voir plus de ce Pokémon. En plus, il est type plan. Faut arrêter d'utiliser... qu'est-ce que c'est que ça? Qui est clairement trop puissant. Il a 5 niveaux d'avance sur les autres. Non, peut-être pas, mais 4, quoi. Oh. Et Falouz en plus. Falouz, es-tu d'accord avec moi? Que tu vaux autant la peine que... qu'est-ce que c'est que ça? Arrête de dire ça, Fildrong. Je suis une merde et je ne sers à rien. Abandonne-moi, s'il te plaît. Vous savez, chacun a le droit d'avoir son opinion sur la question, hein, personnellement. Qui suis-je pour juger Falouz? Oh mon dieu. Putain, les dégâts... Mais attends, mais il a des Pokémon niveau 4. C'est quoi ça? Les Pokémon sont de mon niveau, presque. Ça va ou... Ça se passe comment? Je l'ai traversé, c'est un putain de spectre! Vous avez vu? Je suis passé sur la dame! Oh là là, mais sérieusement? Ça va, c'est bien, Pokémon Uranium. La prise de niveau est correcte! Hein. C'est correct, hein. Oh mais Hydrocanon c'est nul pour Dracofeu. Vas-y, je fais bulk up. De toute façon je vais le tuer pareil avec deux attaques. Donc autant se booster sa défense. Et là maintenant Rockslide va tuer. Plus besoin d'intimidation. Ça c'est de la stratégie. Au lieu d'avoir à faire deux Rockslide, et ben à la place je me booste ma défense. Toujours utile. Sponari. Flinch. Falouz. Pauvre Falouz. Falouz qui tank, hein, qui prend tout. Il arrive, il meurt. Mais avec le plaisir. Oh mais non, mais encore une fois, là, elle a 1 million de PV, de bulk spécial, ce Pokémon. Heureusement que j'ai qu'est-ce que c'est que ça, mais...
avec Psycho. Ce Pokémon là, il est dur pour ma team en vrai. Hein. Oh mon dieu, sérieux? C'est quoi ces dégâts? Allez, Giga Drain, heureusement je récupère ma vie. C'est là que tu vois que ce Pokémon tape fort. Hein. Allez, normalement, du coup, ils vont en avoir 4 chacun, c'est ça? Tous les dresseurs, ça va être des champions d'arène. Ah oui, c'est ça, hein. C'est dingue, hein. Ça va, sinon, bon, parce que si je vous emmerde, vous me le dites, hein, et puis vous finissez le jeu vous-même, après tout, vous avez la puissance qu'il faut, hein. Au bout d'un moment, moi, moi, je ne suis qu'un pauvre petit Fildrong qui essaye de peser dans le game tel un archéodon, mais... Je suis le grand maître en stratégie, Fildrong, je pèse dans le game tel un archéodon. Tu déranges ma sereine méditation. Je vais surtout te déranger ton anus. En te rentrant un bec d'oiseau dedans, voilà. Allez. Bah oui. Ah bah oui, tu meurs. Ah bah ouais. Ça va, Michel Oiseau qui se fait martyriser depuis tout à l'heure. Bah maintenant, il est là. Ah oui, c'est le... Ah oui, ça, c'est le Pokémon ultra puissant qui dort. C'est ça l'idée. Hein. Je crois que c'est ça. Bah alors, tu flinches? Ah bah, Michel Oiseau, hein. Pour l'instant, celui qui me déçoit le plus, c'est Falouze. Parce qu'il est mort plein de fois, mais bon. Ah oui, ça, c'est le... Ah, je me rappelle la première fois que j'étais tombé sur ce Pokémon, ça m'avait fait rire quand même. Revanche, ça va faire mal ça. Ok, ok, d'accord, c'est bon. Je me suis fait one shot. Écoutez, hein. Voilà. Mon dieu. Bon, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui, du coup, parce que là, je me sens un peu mal. Voilà, j'ai parlé de lui faire beaucoup de mal à son trou des fesses. Et au final, c'est moi qui me suis fait... hein, il faut bien le dire, hein, parce que ici, ce let's play est regardé par des adultes. Je me suis fait sodomiser. Voilà. Eh bien, écoutez... merci à tous d'avoir regardé le retour de Pokémon Uranium. Vous pouvez voter directement en bas pour le défi de la semaine prochaine. Ça m'a fait super plaisir d'être de retour. Et puis moi, en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.